On a parlé en long et en large. Mais à ce matin, j'aimerais aller tout droit. Parce que juste après, j'ai quelques minutes que je dois te bénir. Yes, mais non, ce matin, je parlais sur la puissance et les bénéfices d'une alliance. Savoir une chose. Si nous avons bien compris le mystère de l'alliance, avec les obligations divines, les obligations divines à garantir notre bien-être, nous ne pouvons plus prier en désordre. Celui qui est en alliance avec Dieu ne peut pas prier en désordre. Une personne qui a l'assurance et n'a peur de rien. La Bible dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 1 au verset 5. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'un jour, Paul prend une décision. Parce qu'on l'appelait d'abord Saul, avant qu'il soit appelé Paul, il prend une décision. Pour commencer à menacer la femme à cause de l'alliance, l'homme ne va pas attendre que la femme lui dise que je suis menacé. Mais à cause de l'alliance, l'homme va sentir en lui quelque chose bouger. Une forte lumière.
manière de puisse grandir avec Dieu. Notre alliance avec Dieu. Notre alliance avec Dieu. Je sens l'onction de Dieu ce matin. Je sens l'onction de Dieu ce matin. Dieu, à travers le sacrifice et le sang de Jésus, c'est ça qui même nous assure. Il y a moins des gens qui nous assurent la sécurité. L'alliance assure même une sécurité. Alléluia. Yes. Mais je dois laisser quelque chose. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont en alliance avec Dieu. Il y a des choses qui ne les demandent pas. Mais comment va conseiller la vie? Mais à ce moment-là, soit mon combat, soit ma responsabilité. Je m'en conseille là. Ne combat pas celui qui est en alliance avec Dieu. Où nous parlerons sur les autels. J'ouvre une petite parenthèse. Les gens qui font des alliances, ce sont des personnes qui connaissent aussi les principes des autels. Qui connaissent les principes des autels. Ferme le sac, je ferme la parenthèse. Je t'invite le mercredi le jeudi. Tu seras béni. Amen. Alléluia. Je vais te donner quelques points à retenir. Quelques points à retenir. C'est sur ce point qui sera basé les déclarations. Acclame le Seigneur. Avec une personne. L'alliance assure la protection. Non seulement à nous. Non seulement à nous-mêmes. Mais avec tout ce qui nous appartient. Tu me comprends? Je répète. L'alliance assure. Assure la protection. Non seulement à nous-mêmes. Mais avec tout ce qui nous appartient. Premier point. Tu vas le comprendre quand je me mettrai à déclarer. Deuxièmement, les alliances touchent notre postérité. Enfin qu'ils en bénéficient. C'est pourquoi on a lu, si Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera aussi bénéficiée. J'ouvre une petite parenthèse. La relation, la communion que tu as avec, Dieu influencera aussi. Et influencera aussi ta génération. Autrement dit, ta postérité. Troisièmement, l'alliance attire au
aussi les richesses physiques. Non seulement physiques, mais spirituelles. Tu vas le comprendre quand je me mettrai à déclarer. Quatrièmement, l'alliance montre aussi notre appartenance. L'alliance montre aussi notre appartenance. Quatrième point. Cinquième point pour finir. Oh, je sens les anges des yeux en série. Je sens l'esprit de la prophétie en série. Est-ce que je peux avancer? L'alliance, cinquièmement, l'alliance unie, l'alliance unie est sourde et fait de ces personnes qu'ils soient un. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ferme mon cahier. Je vais déclarer. Sur ces salles. Dieu parle à Abraham. Il dit ta postérité sera bénie. J'aime une chose. Lorsque nous voulons rentrer dans les origines d'Abraham, on va remarquer que Abraham sort d'une nation, d'un peuple. Soin de lui détacher les anciennes alliances afin de lui connecter une nouvelle alliance. Dieu ne s'arrête pas là.
Celui qui osait appeler, ah non, pas
unique à son genre. Il a essayé d'appeler. Avec toi-même, officiel. Il y a une femme dans le téléphone. Il va dire, c'est le numéro. Il est bon. N'est pas à qui tu es. Il y a 17 millions de Balala. Let's bad.